On continue dans God of War et les services rendus. On va se faire le conseil, apporter les haumes des Valkyries au conseil. Donc, précédemment, on a éliminé la toute dernière Valkyrie. Cette fois-ci, on va aller dans la région conseil des Valkyries. Alors, à la fois pour débloquer les derniers éléments qui nous manquent et voir la suite de cette mission. Qu'est-ce qu'ils nous ont caché par là? Êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir? Alors on est dans un atelier. Je pensais pas te retrouver ici. Vu que Brock et toi vous êtes réconciliés. Tout se passe bien? Oh, mieux que jamais. Tu sais, je pense que nous avons beaucoup mûri pendant cette séparation. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un peu l'air. D'accord, j'aime mon frère. Mais il sent quand même le vieux boucle les nœuds. Le vieux boucle les nœuds. De l'argent. Ils aiment bien mettre des corbeaux habituellement. C'est pour redescendre. On y est, n'est-ce pas? C'est le Rockstool. Oui, petit. Le conseil des Valkyries. Oh. Les Valkyries viennent du Valhalla, n'est-ce pas? Content de voir que tu suis, mon frère. C'est exact. Le Valhalla, la grande halle des Eneriar, elle leur demeure à Asgard, mais là-bas, elles sont sous la supervision du père de tout en personne. Et les relations entre les Valkyries et Odin étaient tendues lorsque je lui servais de conseiller. Pourquoi? Oh, c'est une très longue histoire, petit. Pour l'instant, contentons-nous de chercher des indices. Placer les 8 hommes. C'est là où faut poser les casques. Wow, bon voilà. Les miens. Qui est-ce? Gunnar, maîtresse de la guerre. Après chaque conflit, elle venait sur le champ de bataille pour désigner les esprits dignes de rejoindre le Valhalla. Une basse besogne dont elle retirait une grande fierté. Chaque conflit. Impossible. C'est la vérité. Elle était aidée par ses sœurs, certes, mais Gunnar était la première sur place. Son jugement des guerriers tombés était sans pareil, et une ressource inestimable pour Odin. Elle était une de ses femmes. Deuxième. Ah.
Condul, la ravissante Condul. Et hein? C'est tout? La ravissante Condul? Pas d'histoire ou quoi que ce soit? Oui, pardon. La vue de Condul me laisse toujours sans voix. Condul avait l'éloquence, l'esprit et un physique d'une telle splendeur qu'elle rendait littéralement les hommes fous. Odin finit d'ailleurs par lui interdire l'accès à Midgard, car la folie n'est pas une qualité appréciée au Valhalla. Ce n'est nul autre que Gerdrifull, la maîtresse d'armes du Valhalla, chargée d'armer et d'entraîner les Einherjar d'Odin. Et quoi ? Ses guerriers, pour le jour du Ragnarok. La seule raison d'être du Valhalla. Les Einherjar attendent dans la grande halle, festoyant, buvant, forniquant joyeusement. Et à l'heure du Ragnarok, Odin les appellera afin qu'ils combattent pour lui. Gerdrifull avait fort à faire avec de tels spécimens. Je vous présente Kara. Voyez-vous, les Valkyries sont impétueuses par nature, mais Kara, cette femme est une tempête incarnée. Une tempête? Oui. Calme et sereine, puis le vent tourne et la fureur de sa tempête se déchaîne. C'était magnifique. Dans un sens, si vous parveniez à vous mettre à l'abri, ses larmes nettoyaient le sang sur les champs de bataille. C'est mystique. Est-ce que ça compte comme tel? Continue. Voici Rota, celle qui choisit les morts. Croyez que toutes les Valkyries faisaient ça? Pas exactement, petit. Même si c'est ce pour quoi elles sont connues et que c'est leur plus grande responsabilité. Tu as vu ce qui arrive aux morts sans le jugement des Valkyries? Les Éléens. Tout juste. Rota, Gunnar, Skuld. Si elles n'interviennent pas au terme des batailles, elles regorgent d'âmes destinées au Valhalla. Un bien triste état de fait. Rota doit être furieuse. Ici, nous avons Er, la guérisseuse. Une Valkyrie qui soigne? Étrange. Er était étrange, effectivement. Très discrète, très calme. Alors que ses sœurs étaient brutales et rapides, Er était un courant apaisant. Elle soignait les plaies des dieux et des mortels. Et même d'un certain sage omniscient qui tomba d'une montagne après avoir trop bu. Je n'en suis pas très fier. C'était lui. Oh là. On l'a trouvé. Instable. Œil de suprématie ironique. Aux yeux de toutes. Ah. Carte au trésor. Aux yeux de toutes. D'accord, c'était ici, je pensais à un moment donné que c'était au niveau de la montagne. J'avais cherché à un moment donné, je pensais que c'était là, mais en fait non. C'est ici, au niveau du conseil des Valkyries. Alors, Hildur, maîtresse des batailles, Odin et elle s'entendaient bien. Entre elle et les autres Valkyries, c'était une autre histoire.
Elle passait le plus clair de son temps à Midgard, observant la discorde entre les mortels, et la semant parfois elle-même. Elle ne vivait que pour le conflit. Pour certains, elle incarnait le conflit. Je me demande ce qu'il adviendra d'elle à présent qu'elle est libre. Dernière. Conseil terminé. Olrun, jadis la fille d'un puissant chef, elle mourut en le défendant lors d'une attaque de pillards. Olrun fut escortée au Valhalla, où elle décida de vouer son éternité à la quête du savoir, par-dessus tout. Un comportement plutôt inhabituel au milieu des festins et des beuveries des occupants de la Grande Halle. Comment elle est devenue une Valkyrie ? Odin. Il se reconnut dans la quête obsessionnelle de connaissances d'Olrun. Il la nomma historienne permanente des Valkyries.